Hey, salut tout le monde, c'est Axel Éponge. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment bien sécuriser le village dans Lego Fortnite. Vous pouvez me soutenir avec mon code créateur Axel Éponge tout en majuscule. Allez, c'est parti! Alors, pour bien sécuriser le village, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de bois, bien sûr. Qui dit protection dit portail. Donc, il se retrouve. Je vais prendre ce portail Pali. Comment ça s'appelle? Pali, oui. Ça s'appelle Palissade, pardon. C'est portail Palissade. Donc, il faut mettre là où vous passez régulièrement, hein. Moi, je mets là en l'occurrence. Je préfère mettre à l'intérieur, mais bon, ça se voit pas à l'intérieur du. Voilà. Quoique, je peux mettre à l'extérieur un petit chouïa. Voilà. Hop, je ramène un petit peu. Voilà, je calcule par rapport à l'autre côté. Que ce soit à peu près au milieu. Allez, c'est parti. La construction, comme vous savez tous, qui prend pas mal de bois. Ça c'est sûr déjà, mais qui ne prend pas beaucoup de temps. Tout est déjà préfait, juste à assembler, un petit assemblage. Par contre, le moyen de bien mettre, des fois ça bug. Bon, petit portail comme ça va vite, hein. Ah, j'ai oublié le dernier. Maintenant, le plus grand. Voilà, hop, ici. Les deux derniers, c'est bon. Portail, palissade, construction terminée. Alors ici, si on regarde Forteresse 3, ça ne passe pas. Bon, si je prends la Forteresse 2, ça va être trop court. Mais déjà, il faut que je mette bien. Que je regarde bien, vu de dessus. C'est bon. Non, ça a l'air de décaler un petit peu, non? Non, c'est bon. Et maintenant, je vais prendre mur marron. Je vais bien coller ici. C'est parfait. Voilà, le mur est terminé. Là, je peux me balader partout. Il n'y aura pas de squelette qui va m'attaquer. Là, je peux regarder, je fais le tour. Il n'y a plus rien. Donc là, je suis totalement en sécurité. Bon, je vais voir un petit peu les PNJ. Qu'est-ce qu'ils ont à m'offrir? Elle dort pas, elle. Est-ce que je peux recruter? Non. Venez dans mon village. Non, elle veut pas. Elle ne veut pas, la méchante. Il va faire jour déjà? Oui, il va faire jour. Alors, vous avez fait quoi, vous, madame? Qu'est-ce que vous avez à m'offrir? Oh, friandises pour animaux. Viande grillée et maïs. C'est parfait, ça. C'est ce qu'il me faut. Ah, c'est parfait. Du coup, je vais voir chapeau de paille. Qu'est-ce qu'il a à m'offrir? Blé. Terre, engrais, laine, soie. Bah, merci beaucoup. Il y a tout ça. Ça va, c'est super. Maintenant, donc, maintenant j'ai de la viande. Je peux faire bientôt des potagers. Et du coup, lui, il peut me donner quoi? Ah, planche. Mais c'est parfait tout ça. C'est parfait, c'est parfait. Je vais construire une maison en pierre, comme ça tout le monde se retrouve. Hein. On peut enfin avoir peut-être toilette. Ce sera un peu plus grande comme maison. Bon, bungalow comme ça. De toute façon, j'ai pas le choix. Un bungalow comme ça, c'est parfait déjà. Est-ce que je peux tourner? Bon, comme ça, c'est bon. Je vais juste voir la limite. De ce côté-là, je peux pas voir grand-chose. Ah, malheureusement, ah, c'est un peu compliqué hein, quand on veut faire quelque chose de bien, c'est compliqué. On peut pas voir comme il faut. Là, je fais au pif. Hein.
par rapport à l'alignement. Est-ce que je vais voir, est-ce que je suis bon? Et puis de l'autre côté, est-ce que je suis assez espacé? Je ne sais pas du tout. Bon, tant pis, je vais être comme ça. Allez, c'est bon. Je suis juste devant le portail. Bon, il y a... Ouais, c'est bon. Et l'alignement, on s'en fout un petit peu, c'est pas grave. Allez, c'est parti pour la petite construction. Waouh, la maison, elle est pas mal, hein. Elle est vraiment belle, vue de l'extérieur. Et comme à l'intérieur, mais pour l'instant, c'est pas terminé, comme vous avez remarqué. Ah, ça, elle est un peu plus grande. Ah, je sais déjà ce que je vais mettre dedans. Allez, il va falloir que je continue le toit, mais pour ça, il faut que je fasse un escalier rustique. Hop, que je monte sur le toit. Alors, pour ne pas se prendre la tête, je saute. Voilà, c'est bon. Comme ça, je ne me coince pas à l'intérieur. Enfin, à l'intérieur de la construction. Parce qu'après, ça va être tout fermé, hein. Faut y penser. Après, le reste, ça se fait automatiquement. Donc, je suis les parois du toit. Allez, la dernière fritière et c'est terminé. 1000 ans après, la maison, elle est terminée. Un petit bungalow. Petite précision, quand vous voulez casser, par exemple, si vous vous êtes trompé, vous mettez une bougie là où vous voulez pas, bah mettez bien les curseurs hein, comme il faut et vous tapez une fois, deux fois et trois fois. Bon là c'est avec une pioche simple, mais qu'avec une pioche plus élevée, enfin plus puissante, vous tapez une fois, vous cassez tout. Hein. Maintenant je vais rajouter la décoration à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme décoration? Lumière, c'est ajouté. Oh, je peux rajouter étagère. C'est d'étagère cosy. Et étagère à mini diorama. Ok. J'ai pas mal de décorations déjà que je peux mettre en place. Déjà, il faut que je mette des lits. Pour ce faire, bah, il suffit juste d'aller de l'emplacement. Pour le lit, ça ouais, ça va être compliqué. Bon, je vais voir ça par la suite. Donc ça, c'est le lit qui est recommandé actuellement. Donc pour ça, il faut que j'ai des planches. C'est bon, j'ai des planches. Donc pour moi ici, ce sera une chambre. Hein. Je pense même qu'une chambre, ce sera avec une salle de bain et tout ce qu'on veut. Bon allez, je vais me débrouiller. Je vais mettre 3 ou 4 lits, c'est plutôt ouais. Là, c'est bon. Je vais mettre 1. Ah, c'est un peu loin là. Ah, c'est un peu loin. Là, celui-là, le premier lit, c'est un peu loin du mur. Moi, j'aime bien quand ça colle. Il faut que ça colle. Voilà, c'est parfait comme ça. Par contre, ouais, il faut que je garde certaines distances. Parce que je remarquais que les PNJ, quand ça colle, bah, ils veulent pas trop. Hop. Ah, heureusement qu'il y a les métriques, hein. Ça, c'est bon. Ah, mais je suis vraiment stupide, hein. Je suis bête. Je pose sans regarder. Je mets, je casse, je mets, je casse. En même temps aussi, c'est pas trop facile là. On ne peut pas bien regarder. Allez, éloigne-toi. Là, c'est parfait, hein. Je pense que c'est parfait comme ça. Il y a assez de distance et c'est bien collé contre contre le mur.
Bon, je pense que 3 lits, c'est largement suffisant. C'est parfait. Et donc, qu'est-ce que je vais rajouter de mur? Non, je vais pas rajouter de mur. Je vais juste faire... ça, c'est quoi ça? Support mural. Accrochez votre outil. Arme. Bon, ça, j'en ai pas besoin. Par contre, ça, j'en ai besoin. Pour ici, faire joli. À l'entrée, c'est parfait, non? Mettre un peu plus par là. C'est cool. Bon, je vais mettre un peu partout. Ah, ici, ouais, ok. Ici, je vais faire une salle de bain. Une salle de bain. Donc, séparation salle de bain. Hein. Je vais mettre ça pour séparer. Allez. C'est parfait. C'est parfait. Donc, là, hop, ouais, il y aura assez d'espace là. Pour faire une petite salle de bain. Ah, je viens de voir que pour l'instant, je peux pas rajouter une salle de bain. Allez, un petit banc pour qu'ils se reposent. Ça peut leur faire plaisir. Donc après une longue journée, ils peuvent très bien s'asseoir sur un petit banc pour se détendre. Je mets un de chaque côté. Devant un feu de camp. Là, je vais voir s'ils vont s'asseoir. Est-ce qu'ils vont s'asseoir? Allez, asseyez-vous, mesdames et messieurs. C'est mieux que de rester debout. Ah, enfin! Le tomateau, il s'assoit. Il sait enfin comment s'asseoir. Ah, il sait que c'est une borne, là. T'es bien installé, là, j'espère. Parce que je vois, oui. J'ai envie de faire une amulette pour le désert. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut fil de soie, carapace, trois carapaces de sable, un marbre. Bon, les carapaces, il faut que j'aille. Bah, ça va pas être compliqué. Désert, je suis à côté, je pense. Ouais, c'est juste à côté. Faut pas que j'aille directement dans le désert parce que sinon, je vais mourir de chaud. Il faut éviter quand même. Faut juste que je regarde aux alentours. Là où il y a les carapaces jaunes. Oh, des piments. Ça, j'en ai besoin. Je vais prendre pas mal comme ça. Ou plus tard, je peux les planter. Oh, premier. C'est lui qui m'a trouvé. Esquive. Esquive. Ah, j'ai failli attraper chaud là. Vas-y. Hop, esquive. C'est fini pour toi. Voilà. Premier carapace obtenu. Ah, par contre, fait chaud pas. Faut pas que j'aille trop au milieu. Ah. Faut juste que je fasse le tour, c'est tout. Il y en a un là-bas. C'est juste au milieu. Elle est au milieu, il faut que j'attire vers moi. Ouh, j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud. Ah. C'est quoi ce bruit? C'est le monstre? Il est loin. Vas-y, attaque-moi. Attaque-moi, attaque-moi. Viens vers moi. Il a écrasé l'autre. Vas-y, viens m'attaquer. Viens. Je t'ai dit de venir. Ah, il veut pas. Hein. Ah, il veut pas m'attaquer là où je suis. Je tape et après je cours. Ah, c'est bien. C'est bien qu'il vient vers moi, c'est ce que je veux. C'est ce que je voulais.
Loupé. Reviens ici. C'est bon, deuxième. Bientôt l'amulette est à moi. Faut pas que j'aille par là-bas parce que j'ai entendu, il y a le monstre par là-bas. Faut que je contourne. Pour l'instant, c'est normal, hein, c'est juste chaud. Hein. Il me faut l'amulette. Ah, j'ai chaud encore par là. Il faut que j'arrive à voir le troisième avant de tomber de la nuit. Ah, mais ça va, j'ai de la chance là. J'ai de la chance. Je suis venu pour chercher. Ah, il y a un troisième là. Je suis venu pour chercher les carapaces et du coup j'ai trouvé noyau explosif. Il y a un troisième. Viens par là. Suis-moi. Oui, il me suit, il me suit. C'est cool. Tu viens là où je voulais. Allez, reste là. Ne t'en va pas. Viens, 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 ne t'en va pas. Reste à côté de moi. Ouh, tu fais mal. Ah, ça va, j'ai les trois. J'ai les trois carapaces. Maintenant, je peux faire mes carapaces anti-chaleur. Je suis un peu pressé. C'est bon, amulette de sang-froid. J'ai obtenu, donc c'est atypique, hein, avec 5 coeurs, enfin 5 boucliers en plus, plus 3 coeurs. Ça va, je peux rajouter tranquillement. Maintenant que j'ai la mallette de sang-froid, je vais tester son efficacité. Pour ça, bah, je vais aller dans le désert pour voir si je vais cramer comme tout à l'heure. Ça a l'air efficace. Donc pour être dans le désert, il faut avoir cette amulette. Hein. Amulette de sang-froid. C'est essentiel pour aller balader dans le désert. Enfin, c'est pas sans danger, mais sans avoir un coup de chaleur. Voilà, donc là, je me balade autant que je veux. J'ai pas chaud. Donc là, ce que j'en ai besoin, bah, les carapaces et tout ça. Donc ça tombe bien. Allez, il a du mal, hein. J'ai du mal à l'avoir, celui-là. Reviens ici, toi. Je t'ai pas dit de partir. Je vais consulter vite fait mon inventaire. J'ai eu pas mal de ressources aujourd'hui. Ce sera tout pour aujourd'hui, mes amis. Il y a pas mal de changements, hein, là, depuis la dernière fois. Même le totem, ça a vachement grandi. Bah, là, c'est clôturé, c'est sécurisé. Voilà, je suis plutôt content. Content, j'ai bien avancé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que je vous ai bien aidé. N'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de commenter, de partager. Et toi, bien sûr, qui passe par là, qui n'est toujours pas abonné à ma chaîne, ben, je t'invite à t'abonner et d'appuyer entièrement sur la petite cloche pour ne rien rater sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!